sur ce nouveau Yako Combat, numéro 52. Donc on va voir toute l'édition en entier. La semaine dernière, on a vu deux chansons nouvelles. Là, on enveloppe tout. On est parti pour une demi-heure de combat. Un petit peu d'espace autour de vous, comme d'habitude. Vous pourrez faire des déplacements sur place aussi. Les déplacements qu'on fera sur les côtés, vous pourrez les faire sur place sans problème. Et on espère que vous allez bien, que vous avez la patate. Et c'est parti, on y va. Tu me remets la musique au début, s'il te plaît. C'est parti. Allez, on se met en place. Alors moi, je garde ma veste parce qu'il fait un petit peu froid ici. Et je l'enlèverai quand l'échauffement sera bien. Sera mis en place. Allez. Nickel, rebond, droite-gauche, donc pied droit devant. Et on va commencer, pardon, avec des uppercuts. Droite-gauche, droite-gauche. Vous allez voir un échauffement assez original par rapport à d'habitude. Tout droite et gauche d'un coup. Doubler à droite les uppercuts. 1, 2 et 2 à gauche. Encore, droite. Donc l'uppercut, on part du bas et on vient viser le menton de l'adversaire. Votre adversaire, il est à votre taille. Enroulez votre hanche droite et marchez. Enroule et marche. Enroule. Vous levez d'abord le genou et vous écartez sur le côté. Et ensuite, derrière, c'est deux petits pas. Je recule et j'avance. On remplace par un genou alterné. Genou marche, genou gauche. Commencez à mettre les bras petit à petit. Vous les tendez et vous les ramenez vers vos hanches. Allez, la musique va s'accélérer. Trois genoux à droite. 3, 2, 1, et vous changez. 3, 2, 1, encore. Bien, légèrement le buste en avant, le genou qui monte. Un kick avant, droite et gauche, alterne. Kick, le poids du corps en arrière, et on garde la marche pour changer de côté. J'adore cet échauffement, construit un peu différemment. Allez, direct croisé, alterne, pied droit, droite, gauche. N'oubliez pas ici de ramener vos mains chaque fois pour toucher vos joues, votre mâchoire. C'est ce qui va permettre de garder vos épaules en tension et vous visez le nez de l'adversaire. Doublez à droite. 1, 2. Observez nos hanches, nos pieds qui twistent un petit peu. D'accord, on n'est jamais vraiment sur place. La suite, préparation au kick côté. Genou poitrine à droite et deux rebonds sur place. 1 et à gauche. Pam. On alterne droite et gauche, genou poitrine, bloc. Donc ça, c'est le début de notre mouvement. On va commencer comme ça et kicker à droite. Et tout. Bien, donc là, on ferme un petit peu la hanche sur le kick côté. On ramène le genou à la poitrine au début et à la fin du mouvement. Deux step touch à droite et un kick côté. Kick et revient. On a le temps, d'accord, de placer son mouvement et de revenir. Hop là, 1, 2, même chose, peut-être si on se sent à l'aise, on kick un peu plus fort et on va chercher un petit peu plus haut, ça c'est vous qui voyez, suivant aussi votre passif en combat, si vous êtes habitué ou non, crochet alterné, droite et gauche, allez, crochet c'est la mâchoire, on fixe le poing juste devant le visage avant de revenir à la mâchoire, coude et avant-bras parallèles au sol, droite, gauche, et on les double à droite, c'est le même principe. 1, 2, 1, 2. J'espère que ça commence à se réchauffer un petit peu chez vous. Peut-être pas tout de suite, hein. Peut-être qu'il va falloir un peu plus de temps. Talon-fesse pour le kick circulaire à droite. Attrape, pose et les deux sauts. À gauche, pam. Donc là, ouvrez-vous, ne laissez pas votre genou s'avancer. Vous faites une jolie extension de hanche. On développe le kick circulaire. En commençant par le talon-fesse. Kick, pause, 1 et 2. La construction est la même que pour le kick côté. On va marcher deux step touch à droite. C'est parti. Et kick droit, poum, et revient. 1, 2, kick et pause. Allez, vous allez voir, cette édition du Yako Combat, elle est vraiment très facile, très accessible, mais très cardio aussi, avec pas mal de mouvements. Dynamique, rapide. Moi, perso, j'adore. J'avais hâte de la tester dernière fois. Et on est bon pour l'échauffement. Super. Chanson numéro 2, deux nouveaux mouvements. Le couteau et le back fist. Ok, on va avoir le temps de le mettre en place. Rebond droite-gauche. On commence avec le couteau main droite.
On y va, ça fait couteau, reviens, tap. Donc là, imaginez que votre main, c'est un couteau tranchant, d'accord? Pam. On est sec, dynamique, il y a le pied qui avance et qui recule. Je rajoute kick arrière gauche et rebond. Pam. Kick et rebond. Comme d'habitude en combat, on construit petit à petit la chorégraphie. Couteau, kick, on regarde la cible par-dessus son épaule et je remplace les rebonds par 4 directs croisés. 4, 1, 2, 3 et 4. Couteau, kick arrière et direct croisé. Pam, pam. 1, 2, 3, 4. Ok, rebond. Super. Deux genoux, un seul genou, pardon, avec la jambe arrière. On y va. Genou, pause. Genou, je vous ai spoilé la suite là. Encore. Tirez bien les mains au niveau des hanches. Tire. Tête de l'adversaire dans le genou. On double et rebond. 1, 2, rebond. Donc vous vous en doutez, hein ? Il va se passer quelque chose sur les rebonds. Et ce sera la fin de notre combinaison. Dernière fois. Je rajouterai back fist. On y va. Donc ici, je tape avec le dos de la main. On marque un petit temps d'arrêt. Poum. Tournez-vous complètement de profil par rapport à votre écran. De face, profil et rebond. Super. Lentement, toute la combinaison. Couteau, kick arrière. On le fait lentement. Couteau, kick arrière. 4 directs croisés. 1, 2. Ici, 2 genoux arrière gauche. 1, pause. 2, et le back fist block. Hop, et reviens. Accélère. Couteau, kick. 1, 2, 3, en arrière. Et encore, mais on va y arriver. 2 genoux de gauche et le back fist. Encore. Boum. Kick. 1, 2, bam. Encore ça. Allez, peut-être qu'il vous faudra un petit peu de temps pour bien maîtriser ça rapide. Il n'y a pas de souci. Rebond. Échange de côté. Pied gauche. Même travail. Même chose, on sera peut-être plus à l'aise de ce côté-là. Coup de couteau. Boum. Et reviens. Boum. Allez, n'hésitez pas. Si vous avez un petit peu intégré les combinaisons, à mettre un peu plus d'intensité, d'énergie et de dynamisme là. On rajoute le kick arrière. Allez, on y va. Pam. Et les rebonds. Vous regardez, hein, par-dessus l'épaule. On n'est pas trop de profil pour l'instant. On est de 3/4, les hanches face à votre écran. Je rajoute 4 directs croisés. Devant, derrière et 1, 2, 3, 4. Devant, derrière et 1, 2, 3, 4. Poum. Allez, les directs croisés, c'est le nez, hein. Chou. Ok, rebond. Super. Deuxième partie du combo. Un genou droit cette fois. On y va. Genou, pause. Allez. Attention à ne pas trop ouvrir la hanche. Ramenez le genou devant. Poum. Poum. Encore. On les double. Double à droite. Et les rebonds. Encore. Un, deux. Et rebond, deux fois de plus. Allez, la suite, c'est le coup de poing avec le dos de la main. On y va. Deux genoux. Back fist. Poum. Et reviens, on a le temps. Hein. On marque un petit temps. Pa. Vous déployez ici à partir du coude. Poum. Et on tape avec le dos de la main. Pam. Et rebond. Ok, lentement tout. Ça, faut apprécier. Lentement. Poum. Kick arrière. Direct croisé, 1, 2, 3, genou droit, double, pause, double, bloc ici, bloc, reviens, let's go tout le monde, allez, chou, chou, genou, et pa, reviens, chou, 1, 2, 3, 4, ouh, je me suis trompée de jambe, encore, chou, chou, allez, on réfléchit plus. On enchaîne la combinaison, genou, back fist, et encore. Et le back fist. Et relâche. On était mieux au répète. Hein. Allez, chanson numéro 3. Après celle-ci, on fera une petite pause. Celle-ci va nous faire monter en cardio. Pied droit devant, rebond. 3/4 toujours, hein. Ciseaux. Allez, on est face à la caméra, face à l'écran. Un petit peu de travail cardio avant de commencer le combat.
Très facile. Double rebond, droite et gauche. On y va. Droite, gauche, droite. Vous restez dans le sol, ne sautez pas. Restez proche du sol. Les genoux qui s'ouvrent. Pam, pam. Allez, la suite. Un bloc de jumping jack. Ferme, ouvre. Pliez vos genoux. Ancrez vos talons dans le sol. Gardez les mains en garde. Allez, athlétique. Gainez. On respire. Et l'option, c'est ça. Relâchez. Bien, uppercut droit. Upper, que ça, droite. Tout de suite, rapide. On vise le menton et on revient toucher sa mâchoire. Poum, poum. On va rajouter un crochet gauche. Un uppercut, un crochet. Upper, crochet. Regardez ce qui se passe avec la hanche derrière. Boum, elle revient de face. Trois quarts, face. Trois quarts, face. On accélère ça, droite, gauche, droite et rebond. Un, deux, trois, rebond. Upper, crochet, upper, rebond. Encore. En bas, en haut, en bas. Dernière fois. Ok, ciseaux, la jambe arrière devant. Bloc. Bloc. Aha. Un peu de musique. Un tout petit peu plus rapide. Bloc. 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 Pliez vos jambes. On est prêt à accélérer. Accélère. Pa, 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 pa. Poids du corps légèrement en avant. On déverrouille les genoux. Combinaison très simple. Upper, crochet, upper. 4 ciseaux. On y va. Go. Ciseaux. 5, 6, 7, 8. Upper, crochet, upper. Bam. Allez, on peut commencer cool, d'accord. Je vous montre un peu moins d'énergie. Et il en reste 4. Plus fort. Pou, pou, pou. Respirez. Chou, chou, chou. Dernière fois. Ok, relâchez. Bien, à gauche. On reprend tout de suite les rebonds. Côté, côté. Tac et tac. On plie les genoux. Un peu comme si on était à l'affût là. Comme si on allait nous surprendre. Encore ça. Poum, poum. Respirez. Ça va, Tom ? Ouais, ça va. Jumping jack. Ferme, ouvre. Allez, même chose que tout à l'heure. Un petit peu de pic cardio ici pour cette chanson numéro 3. Ok, et on relâche. Pied gauche devant, uppercut. Poum, droite, gauche, pardon. Gauche, gauche. Allez, essayez d'aspirer votre nombril et de tourner un petit peu autour de votre taille en aspirant le nombril. Un upper, un crochet. Un, deux, poum. Là, c'est plutôt lent. On a la place et le temps de mettre de la force et de l'amplitude dans les mouvements. On accélère avec les rebonds. Upper, crochet, upper. 1, 2, 3. Rebond. 1, 2, 3. Yes. Allez, on a tous besoin de se défouler un peu. Hein, de penser à un truc qui nous énerve là. Ok, lentement, ciseaux. Ciseaux. Tac. Un petit peu plus vite. Gauche. Hop là. Et on accélère comme tout à l'heure. Allez, dynamique. Pam, 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 pam. Vous n'avez pas menti, c'est un combat cardio. On est vite dedans, vite dans l'énergie. Combo. Pied gauche devant. Let's go. Et ciseaux. 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3. Pam, 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 pam. Hyper simple. Rien de plus. Allez, il en reste 4. On monte d'un cran. Dernière fois, dernière fois. Et relâche. Pah. Bien joué tout le monde. Allez, on s'arrête juste pour boire une petite gorgée d'eau, rapidement. Et on passe à la chanson renfort bas du corps. Un peu de renfort sur les cuisses. Avant de repartir sur un... sur des chansons cardio. Bien, donc ici, on aura des squats défense. On est parti. Pieds un petit peu plus larges que les hanches. Les orteils légèrement en ouverture. On commence par la base de la base, des squats en 2-2. Tout le monde connaît ce tempo, je crois que c'est la base, vraiment la base. Allez, j'ai déjà dit. On y va en deux temps. 1, 2 et remonte. Poussez bien vos fesses en arrière. Essayez de garder le buste droit. D'accord ? De ne pas descendre
avec le buste penché. Restez droit, poitrine ouverte. Deux pulses en bas et on tourne à droite pour les fentes. Un, et tourne. On a juste à décoller le talon arrière. On est plutôt bas, toujours du même côté. Pour la fente, angle droit devant, angle droit derrière. Dos droit, dernière, on reste de profil. Et là, bloqué ici, ça fait fente, ramène. Fente, ramène. Juste un pas vers l'avant et vous joignez vos deux pieds. Encore, pli et ramène. Vous poussez le sol sous vos pieds. Allez, toujours la même jambe, vous levez le genou en l'air. Pulse. Un petit challenge équilibre. Travail du psoas, on aspire le nombril. Gardez ça. Si c'est difficile, vous pouvez le faire avec la pointe de pied au sol. A priori, c'est difficile pour moi. Revenez de face. Squat de deux. Et remonte. Même chose. Même chose à gauche. J'espère que vous sentez déjà un peu vos cuisses. Peut-être que c'est encore léger, mais la chanson n'est pas terminée. Deux pulses en bas et fente à gauche. Tournez. Pam. De face. Côté. Best friend's ass. Faut pas savoir de quoi ça parle cette chanson. Restez de profil. Une fente et on ramène. Fente. Pousse. Pli. Descend. Allez. Sans venir vous avachir, d'accord, le dos vers l'avant. Et sans non plus avoir le talon qui se décolle. Un grand pas. Reste en haut. Pulse. Pap, pap. Allez, courage. Restez immobile. Rentrez votre nombril. Pap. On peut avoir le buste légèrement en arrière pour plus d'équilibre. On revient de face. Squat de deux. Et remonte. Encore. Dernier bloc de travail ici. Donc sur les pulses, on alternera droite et gauche au niveau des fentes, d'accord? Et il y aura une petite surprise à la fin. Deux pulses en bas, demi-tour à droite. Au milieu et sur la gauche. Best friends S. Comme par hasard, c'est la phrase que je retiens le mieux. Encore. Aïe, 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 là ça commence à chauffer. On continue. Deux pulses, deux pulses. Allez, challengez-vous, allez chercher un peu plus bas. Sensation de brûlure dans les cuisses. C'est bon ça. Dernière fois, remontez. Trois pulses en bas et un jumping jack. 3, 2, je bloque. Et là, ça fait ferme, ouvre. 3, 2, bloque, ferme, ouvre, bas. Allez, on garde ici un tout petit temps avant de redescendre et avant de remonter. 4 de plus. 1, 2, bloque, ferme, ouvre, bas. Aïe, 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 courage, c'est la fin, bas. Ouh. Dernier. Et relâche. Bien joué tout le monde. J'ai plus l'habitude, vivement que la salle réouvre. Hein. Allez, chanson Muay Thai. Travail des coudes ici et le petit travail où on avance. On va commencer en arrière pour nous permettre d'avancer. On commence avec des coups de coude alternés lentement. On y va. Droite, gauche, droite. Coup de coude tranchant, comme le couteau. Trois genoux arrière. Trois, un kick avant. Et là, coup de coude. Quatre, trois, deux, genoux arrière. Trois, deux, kick avant droit. Et les coudes. Un, deux, que les genoux, il y en a trois. Ici, vous bloquez sur le troisième. Hop, petit saut avec le kick. Sinon, vous restez en option où je pose le pied au sol. Bloc. Kick ou je reste. Bloc et reprends. 3. Et on rajoute les coups de coude. 1, 2, 3 et 4. Ils sont lents, mais ils doivent être forts et puissants. Cha, cha, cha. Gardez ça. 3, 2, bloc, kick, coude, coude. Allez, dernière fois. Reste. Chou. Ok, avancez vers nous. Avancez pied droit, genou gauche. Un kick droit et recule. Ok, avance pied droit, genou gauche. Deux fois. Kick droit, poum, et recule. On refait ça. Dernière. Un, deux, genou sur place. Trois coups de coude rapides, plus rapides que tout à l'heure. Un, deux, et les rebonds. C'est ce qu'on va rajouter sur la combinaison où on avance. Encore. Un, deux, trois. Tournez votre dos là, twistez,
On y va ? Avancez. Kick, coup de coude. Droite, gauche, droite. Et tu recules en courant. 1, 2, kick, coup de coude. Et recule. Gardez ça. On en a 6. Donc si vous en ratez quelques-uns, ne vous inquiétez pas, on aura le temps. Vous aurez le temps d'en avoir au moins quelques-uns de bons. Chou. 1, 2, 3. C'est toujours le bras devant qui vient taper en premier. Hein. Le coup de coude, bras droit. On n'oublie pas de respirer comme d'hab. Et relâche. Bien, pied gauche devant. On l'a eu. On l'a eu celle-là. Allez, on y va sur place. 3 genoux, coude, pardon. Gardez ça. 4, 3, 3 genoux arrière, jambe droite. 1, 2, un kick devant gauche et les coudes. 1, 2, que les genoux. Kick avant et reprend. 3, 2, avec l'option bloc, saut. D'accord ? C'est pour ça qu'on isole cette partie, pour pouvoir mettre en place le petit saut. Bloc et reprend. Du début, avec les coudes. Bloc, les coudes. Gauche, droite. Pardon, on a été trop vite. On se rappelait des coudes accélérés. Encore. Bloc, cha, gauche, droite, gauche. Ok. On garde ça. Boum. Préparez-vous à avancer cette fois avec le genou droit. Kick gauche et recule tranquille avec des rebonds droite-gauche. Allez, avance pied gauche-genou, avance genou, kick et rebond. C'est bien tout le monde? On vous voit pas mais on imagine que vous travaillez bien. Chou. Ok, sur place, 3 et rebond. Pardon. 1, 2, 3. Un petit peu plus rapide les coudes et on rajoute ça à la fin. Dernière fois. 6 fois le combo. Avance genou. Kick. 3 coudes. 1, 2, 3. Et recule. Pa. Chou. 1, 2, 3. Tonique sur les bras, d'accord? Même si c'est assez lent sur l'avancée, vous devez vraiment attraper, tirer. Tirez, chou. Pareil sur l'amplitude du kick avant. On n'hésite pas à se pencher un peu plus. Cha. 1, 2, 3. Dernière fois. Chou. Et relâche. Ciao. Bien tout le monde. Dernière chanson déjà. On est au top. Ça passe très très vite. Une chanson cardio, double rebond, corde à sauter, droite et gauche, droite, gauche. Donc là, on a à nouveau un mouvement nouveau, double punch, d'accord? J'avance mon pied droit et je viens attraper les tempes, d'accord? Cogner au niveau des tempes. Ok, punch et uppercut droite, gauche, punch. Vous avez vu notre pied droit, il avance, attaque, pause, droite, gauche. Bien. Sur place, bloc, un punch, 2 sauts sur place, punch, double, si jamais c'est trop difficile, faites juste punch, 2 rebonds, punch, sans avancer le pied, d'accord? Genou, droite, gauche, allez on lève un petit peu, c'est la partie cardio, un de chaque, droite, gauche, piétinez le sol, double punch, double saut, 4 fois. Et ici sur place, uppercut alterné. 16. Allez, tu tapes. Déchaînez-vous, c'est le moment. Il y en a beaucoup. Punch. 1, 2. Poum. Uppercut. Dernière fois le combo. Punch. Uppercut. Et relâche. Super. À gauche. Uppercut. C'est le même travail. Punch. Reviens. Gauche. Droite. N'oubliez pas, c'est votre dernière chanson. Donc quand il y a besoin,
Quand on peut, on met l'énergie. Bloqué. Punch, rebond. Punch, rebond. Punch. Allez, c'est là où on peut sauter un peu plus haut, où on est bien gainé, bien dynamique sur la transition punch et saut. Double rebond vers la gauche. 1, 2. On lève les genoux. Allez, soyez généreux surtout. Accélère. 3, gauche, droite. Accélère, tipping. Même travail, double punch. Pa, 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 pa. Et ici, uppercut alterne. Chou, chou. Menton, menton, on va du bas vers le haut. Encore, et. Chou, chou. Chou, chou. Et. Il en reste un dernier. Je compte sur vous, un peu plus bas dans le sol, sur le stomp. On y va. Attaque plus bas. Descendez sur vos jambes. Et upper. Ok, relâche. Alignez vos pieds. Direct croisé. Il reste un dernier bloc. Quasiment similaire. Sauf qu'au lieu des uppercuts, vous avez compris, on met les directs croisés. Allez, devant. Double. Double. Ok, passe à gauche. Pied gauche devant. Gauche. Si vous êtes à droite, c'est pas très grave. Double genou vers la droite. Double. En mode corde à sauter ou en mode athlétique, comme vous voulez. Accélère. Pam, 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 pam. Plus vite, plus bas dans le sol. Punch à droite. Double. Plus que deux. Et ici, direct croisé. Fort et puissant. Poum, poum, poum. Allez, vise le nez, vise le nez. On passe à gauche, punch à gauche. 1, 2. 1, 2. Direct gauche, gauche, droite. Dernière ligne droite, les amis. À droite, double punch. 1, 1. Direct croisé. On est au bout, on est au bout. On finit le bras droit en l'air. Boum. Bien joué tout le monde. Bravo. Super. Bien, je vous laisse vous hydrater. Redescendre un petit peu en cardio. 6 chansons sur un format de 30 minutes. Peut-être que vous avez enchaîné avec le training. Si c'est le cas, bravo à vous pour votre motivation. Ça passe très très vite, n'est-ce pas? N'hésitez pas toujours. Petit commentaire pour nous dire quand vous avez fait le cours, que ce soit en live ou en replay, n'hésitez pas. En tout cas, moi j'ai kiffé ce nouveau combat. Donc on va le garder un petit moment. On aura le temps de progresser sur les différentes combinaisons. Et nous aussi, hein, parce que vous avez vu, on a eu des petits bugs. Comme en cours, ça ne change pas au final. On vous souhaite une très bonne soirée et on vous dit à très bientôt. Salut tout le monde!